Bonjour, merveilleux peuple de Dieu ce matin. Soyez bénis. Quelle grâce de nous retrouver encore ce matin devant le trône de notre Dieu pour élever la voix, pour reconnaître, Seigneur mon Dieu, sa présence dans nos vies ce matin. Quelle grâce. Nous allons maintenant commencer à prier ce matin en commençant à exalter ce glorieux, merveilleux Seigneur que nous avons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mon âme, bénis le Seigneur. Chanalalaba. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Ah, même en ce lieu, dans nos maisons, Jésus est Seigneur. Oh, même dans nos vies, mon Jésus, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit mon Jésus. Chanalabakoriababa. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Nous disons que même dans le tombeau, Jésus, Jésus, tu es Seigneur. Oh, même dans le tombeau, mon Jésus, Jésus est Seigneur. Alléluia. Fais quelque chose dans nos vies. Quelques changements dans nos vies, quelques miracles dans nos vies, mon Seigneur, oh, fais quelque chose dans nos vies, quelques changements dans nos vies, quelques bénédictions dans nos vies, Éternel des armées, alléluia. Nous t'élévons en ce jour. Nous t'exaltons en ce jour, nous t'adorons Alpha Omega. Fais quelque chose, alléluia. Fais quelque chose dans nos vies, notre Dieu, notre roi. Tu es le sauveur du monde entier. Quelque chose dans nos nations, Jéhovah Jireh, dans nos familles. Nous t'apprécions, roi des rois. Nous t'apprécions, Seigneur des seigneurs. Nous t'apprécions, Éternel des armées, notre Dieu, fais quelque chose, alléluia. Fais quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, quelque chose dans nos vies, mon Jésus, adore ton Dieu ce matin, adore-le ce matin, adorons le Seigneur ce matin, alléluia. Oh, adorons le Seigneur ce matin. Fais quelque chose dans nos vies. Quelques changements dans nos vies. Oh, quelques bénédictions envoie-les, mon Jésus. Alléluia. Nous t'exaltons, agneau de Dieu. Nous t'apprécions, Jéhovah Shammah. Nous t'adorons, Jéhovah Nissi. Tu es glorieux. Alléluia. Fais quelque chose dans nos vies. Quelques changements dans nos vies. Quelque chose dans nos vies. Mon Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons regarder la Bible ce matin dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, 4 et 5 ce matin. La Bible déclare 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les imaginations sont des forteresses. Nous allons les renverser. Le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons commencer à prier en prenant autorité ce matin contre les esprits d'imagination. Les esprits d'imagination qui s'élèvent
contre la pensée de Dieu dans nos vies, contre le plan de Dieu dans nos vies. Nous allons les renverser ce matin dans le nom de Jésus. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Alléluia. Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu de renverser les forteresses, que les pensées négatives qui sont projetées 24 heures sur 24 dans, par le monde des ténèbres dans nos vies soient renversées ce matin. Toute imagination et toute chose qui s'oppose à la pensée de Dieu dans nos vies, ce matin nous les renversons par la puissance du Saint-Esprit. Toute chose qui s'exalte, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, le plan original de Dieu dans nos vies, nous les renversons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Nous les renversons par le feu. Toute pensée négative libérée par le monde des ténèbres que l'ennemi utilise pour attaquer nos vies, ce matin nous détruisons ces pensées négatives au nom de Jésus. Bien-aimé, prie ce matin. Il y a de ces pensées que l'ennemi projette en toi, des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 21, verset 11, je connais les projets que j'ai pour toi. Dieu connaît les projets. Ce ne sont pas les projets de malheur. Le diable ne peut pas projeter l'échec en toi et tu acceptes cela. Il ne peut pas projeter la médiocrité et tu acceptes cela. Il ne peut pas projeter la limitation, te dire que tu n'es pas capable de faire telle chose. Toi, tu n'es pas qualifié pour avoir telle chose. C'est des imaginations, c'est des esprits négatifs libérés par le monde des ténèbres. Ce matin, nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Donc, tu les détruis ce matin. Élève ta voix et commence à prier. Toute pensée négative projetée dans ma vie, dans ma famille, papa, nous disant que nous ne pouvons pas atteindre à un certain niveau dans la vie, nous détruisons ces pensées au nom de Jésus. Que ces pensées soient effacées par le sang de l'agneau ce matin. Nous effaçons ces pensées par le feu et par le sang de Jésus. Par le feu et par le sang. Toute pensée de confusion qui opère dans la vie du peuple de Dieu. Les enfants de Dieu sont dans une confusion totale. On ne sait même plus s'il faut continuer à servir Dieu, s'il ne faut plus servir Dieu. On est dans une confusion totale par rapport à notre Dieu. Ce matin, c'est une projection venant du monde des ténèbres. Nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Nous renversons des raisonnements sataniques ce matin. Tu as bien commencé ta vie chrétienne, mais à un certain niveau, mais la faiblesse est rentrée en toi. C'est des raisonnements. Tu commences à raisonner. Pourquoi telle chose n'arrive pas dans ma vie? Tu te soucies pour des choses de la terre. Là, or que Dieu a réservé des grandes choses pour nous. Ce matin, tout raisonnement, nous les renversons. Les raisonnements sataniques, les raisonnements démoniaques, nous les renversons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de confusion. Les enfants de Dieu sont dans une confusion totale. La confusion, on ne sait même plus dans quelle église il faut se soumettre. Oh, l'instabilité a rempli la vie de plusieurs. Et l'ennemi utilise tout ça là. Tu tournes dans un cercle. Ta vie n'évolue pas. Tu crois que ta vie évolue. Ta vie n'évolue pas parce que le niveau où tu es, ce n'est pas le niveau que Dieu veut pour toi. Il y a un niveau plus grand, un niveau plus élevé. Alors ce matin, nous venons contre tout esprit de confusion opérant dans la vie des enfants de Dieu partout dans le monde entier. Nous détruisons ces esprits de confusion au nom de Jésus. La maladie est une projection. Papa, nous détruisons l'esprit de maladie ce matin. La maladie est venue paralyser certaines personnes. Les hommes de Dieu sont attaqués par l'esprit de maladie. Quel que soit le nom de la maladie, la Bible dit que nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Ce matin, toi, esprit de maladie, tu es une forteresse. Nous te renversons par le feu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de pauvreté qui est venu s'attaquer, les manques de finances. Les hommes de Dieu ne sont pas capables de financer l'œuvre de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent même pas financer. Parce que ce que nous gagnons est peu. Ce matin, nous venons contre cet esprit dans le nom de Jésus. Nous le renversons par le feu du Saint-Esprit. Les esprits de contrôle, alléluia, contrôle des esprits des eaux, nous te renversons ce matin. Esprit de contrôle, les esprits de contrôle libérés par le monde des ténèbres dans la vie des enfants de Dieu. Ce matin, toi, esprit de contrôle, nous te renversons par le feu du Saint-Esprit. Nous te renversons par le feu. Nous te renversons par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. La Bible continue dans le verset 5 de 2 Corinthiens 10. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Toute pensée, Père, nous les amenons à l'obéissance, les captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Toute hauteur, imagination qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans nos vies, Papa, nous les détruisons au nom de Jésus. Les esprits de famille, Papa, nous détruisons leur puissance et leur force par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons cette journée, nous la trempons dans le sang de Jésus. Toi, esprit de contrôle à tous les niveaux de nos vies, tu es anéanti par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Père, reçois la gloire parce que ce matin, tu nous reprends et tu nous exauces au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu as visité ton peuple. Et quand tu visites, tu bénis. Quand tu visites, tu transformes. Quand tu visites, tu restaures. Quand tu visites, tu changes. Merci Seigneur ce matin. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons un grand amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de notre Seigneur au nom de Jésus. Amen.